Les ventes des boutiques de vêtements ont chuté de 12% en mai par rapport à l'année dernière. Alors pour tourner la page d'une saison morose, les magasins cassent les prix dès la première semaine. On a moins 30, moins 40, moins 50 avec une majorité de moins 50. Mais aussi on a des articles qui sont soldés, comme par exemple à la chaussure jusqu'à moins 80%. Il y a 3000 paires de chaussures qui attendent encore de trouver leurs pieds. Difficile de résister aux 3000 mètres carrés de sandales, baskets et bottes du magasin. Première cible des clients, les marques de luxe. Il faut même faire la queue pour avoir le privilège d'essayer. Dans les autres pays, pas du tout. Ils font vraiment pas la queue pour une paire de chaussures. Il n'y a que nous en France où on est à fond dedans. Et le prix, lui, n'est pas toujours un frein. Alors, vous en avez pour combien, là? Alors là, on en est à... Là, il y a 246 euros. C'est plus que... Je sais pas quoi vous dire, je suis très émue. C'est à peu près 100 euros. Et ça sera la seule chose que je vais acheter des soldes, parce que c'est déjà très cher. La fréquentation de ce grand magasin triple pendant la période des soldes, jusqu'à 140 000 visiteurs par jour. Une fièvre acheteuse qui fait l'affaire des magasins comme des clients.